Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres de ce jeudi 22 février. La Fondation Abbé Pierre, qui a réalisé une étude sur le mal-logement, estime que dans les départements et régions d'outre-mer, 600 000 personnes sur une population de 2 200 000 habitants sont mal logées. Le CESEM publie un rapport intitulé « Réduire les inégalités au sein de la société martiniquaise, une priorité pour le CESEM ». Dans votre avis compte, vous répondez toujours à cette question. Selon vous, la Martinique est-elle un pays propre? Vos réactions dans un instant. Et enfin, le journal « Le savoir et réfléchir » de Roland Laouché, « La quadrature du cercle ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, quand arrive la ménopause, plusieurs troubles peuvent s'installer progressivement. Il s'agit notamment de la sécheresse de la vulve et du vagin, de fuites urinaires, de cystites à répétition, de baisse de la libido, de douleurs lors des rapports sexuels. On sait également que la baisse de production des hormones sexuelles accélère le vieillissement de la peau qui perd en souplesse et se relâche, ce qui favorise les rides. Le système pileux se trouve perturbé, ce qui peut provoquer une chute de cheveux accrue ou à l'inverse, une pilosité excessive. Les os deviennent aussi plus fragiles, d'où un risque plus grand de fracture. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est bonne. C'est en présence du maire de la commune, David Zobda, que le collectif Siman Matinique Dubout Gaoulé contre Chlordécone a tenu une réunion au Lamentin, au cours de laquelle il a révélé que le député guadeloupéen Élie Califère va déposer une proposition de loi visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État dans ce qu'il appelle l'empoisonnement au chlordécone. Une juriste en droit international des droits humains a indiqué que les États-Unis ont à plusieurs reprises exhorté la France à indemniser tous les enfants victimes de la pollution de l'eau au chlordécone, mais la difficulté est de prouver l'existence de cette pollution puisque peu de Martiniquais se sont fait tester. Ce samedi 24, Matinique Dubout s'adressera aux habitants de Basse-Pointe au cours d'une matinée d'information organisée au marché. La très populaire interface d'intelligence artificielle générative ChatGPT a connu un gros bug pendant plusieurs heures ce mardi. Elle répondait aux questions des utilisateurs avec des phrases sans queue ni tête. Et après une longue absence, Timothée Erhel a accepté de remonter sur scène pour apporter sa contribution à la conférence de Sainte-Marie qui s'inscrit dans le cadre de la Société nationale Saint-Vincent de Paul existant depuis le 19e siècle. Grâce à l'argent récolté à l'occasion de ce concert, le chanteur a pu remettre le mardi 20 février un chèque de 1080 euros à Marthe Guy, présidente de la conférence de Sainte-Marie. En effet, la société à laquelle elle appartient ne fonctionne qu'avec des dons, des subventions et grâce à l'action des bénévoles. Elle organise également des événements, braderies, vente de gâteaux ou encore déjeuner dansant pour récolter des fonds. L'association s'est fixée pour mission de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté financière. Elle a été d'un grand secours pendant le Covid notamment.
Les personnes dans le besoin qui lui sont souvent envoyées par les assistantes sociales de la CTM ou des CCAS reçoivent ainsi mensuellement un panier de courses et ce pendant 6 mois consécutifs au maximum parce que les moyens dont dispose la conférence sont limités. L'épouse de Timothée Hérel, qui œuvre au sein de l'association, lui fait part régulièrement des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui s'adressent à elle. Désormais à la retraite, le chanteur a donc décidé de retrouver sa casquette de musicien pour apporter sa contribution. Un peu inquiet au départ, il a pu constater que la salle était comble et que le public, qui n'avait pas oublié ses chansons, les fredonnait avec lui. Le miracle de la solidarité s'est donc produit, puisque Timothée Hérel a été doublement récompensé par la présence du public et par le plaisir d'aider. Il a d'ailleurs tenu à remercier tous ceux, dont KMT, qui l'ont soutenu dans la réalisation du spectacle. Ajoutons que les membres de l'association, présents dans les paroisses de 22 communes de la Martinique, sont pour la plupart des retraités. Ils seraient heureux d'accueillir parmi eux de nouvelles personnes, plus jeunes éventuellement. Et ça mérite le coup d'œil. Depuis 3 semaines existe, à côté du complexe sportif Arena à Schœlcher, le centre Gravity invite les adolescents à jouer avec le vertige et l'équilibre à travers l'acrobranche ou l'escalade. Rappelons que pendant toute cette semaine de vacances scolaires, la ville de Schœlcher a proposé ce qu'elle a appelé les matinées découvertes sportives ados. L'église du Sacré-Cœur de Balata fait partie des 5 lauréats du prix du mécénat populaire 2024. Ce prix de 3 000 euros récompense les meilleures collectes de dons et mobilisations dans les petites communes. L'église de Balata a récolté 27 972 euros grâce à 85 dons, désormais centenaires. Le monument est visité chaque année par environ 200 000 personnes, essentiellement des touristes. Pour les travaux de rénovation en cours, la mission patrimoine a déjà apporté une aide de 500 000 euros. 26 500 euros ont été offerts par des mécénats et des aides diverses auxquelles s'ajoute la cagnotte en ligne qui atteint aujourd'hui 604 472 euros. Selon la Fondation Abbé Pierre, qui a réalisé en 2023 une étude sur le mal-logement dans les départements et régions d'outre-mer, 600 000 personnes sur une population de 2 200 000 habitants y sont mal logées. La Fondation Abbé Pierre préconise de privilégier une approche ultra-locale pour résoudre ce problème. Et de fait, des assises de la construction durable en Outre-mer se sont tenues récemment à Paris dans les locaux du groupe d'assurance SMA-BTP. L'événement a réuni des représentants d'entreprises, des architectes et des responsables du secteur du BTP qui ont travaillé en atelier. Chaque groupe a cherché à apporter une réponse à l'une des questions suivantes. Comment respecter les spécificités culturelles? Comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments? Ou encore, comment travailler avec les pays de la zone géographique de chaque collectivité d'outre-mer? Parmi les personnes présentes, Nadia Bouillet, qui a contribué à l'organisation de ces assises. Elle assure la direction générale d'Action Logement, structure qui collecte au niveau national les cotisations des entreprises pour financer la construction de logements, ce qu'on appelait avant le 1% logement. Nadia Bouillet s'est félicitée de ce que le programme d'investissement volontaire, initié en 2019, est doté de 1,5 milliard d'euros, spécifiquement pour les Outre-mer, ait été prolongé jusqu'en 2027. Cela permettra en effet de mener à bien des projets de construction en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, entre autres, en privilégiant l'approche ultra-locale souhaitée par la Fondation Abbé Pierre et de répondre ainsi aux besoins réels des personnes. Les assises de la construction durable outre-mer doivent éditer dans quelques semaines
un livre blanc contenant toutes les recommandations et les conseils des socioprofessionnels pour remédier à la crise du logement dans nos territoires. Et c'est ce soir à 19h30 qu'aura lieu au Théâtre municipal de Fort-de-France la première séance de Jean Jaurès, une voix, une parole, une conscience. Un homme seul, Jean-Claude Drouot, lira pendant 1h15 des textes de Jean Jaurès, ce socialiste fondateur en 1904 du journal L'Humanité, aujourd'hui encore organe du Parti communiste français. Jean Jaurès a été assassiné 3 jours avant le début de la Première Guerre mondiale. On notera que son assassin a été acquitté en 1919. Samedi le 24 février, le jardin de Monique à Dostali au François propose Jazz en Battle avec le groupe Jazzil, Luc Mille Pérez à la batterie, Jonathan Jurion au piano, Cédric Bod à la guitare et Mathieu Borgne au steel pan. En novembre 2023, le Congrès de Martinique a adopté une résolution unique demandant au gouvernement l'établissement d'un pouvoir normatif autonome. Et hier matin, mercredi, Serge Letchimy a reçu à ce sujet les 2 personnalités désignées par le président de la République pour recueillir les propositions. Le président de la collectivité territoriale leur a dit qu'il souhaite simplement pour l'instant que soit inscrit en 2024 dans la Constitution, qu'une évolution institutionnelle est possible pour la Martinique dans le cadre de la République française et sans qu'aucun avantage existant soit perdu si un jour les Martiniquais souhaitent effectivement une évolution institutionnelle. Samedi le 24 février, la chorale gospel Total Praise organise un casting pour trouver de nouvelles voix. Chaque participant devra interpréter un chant en anglais et un chant en français. Pour avoir plus de renseignements, il faut aller sur le site de la chorale gospel Total Praise. Je vous le disais en titre, le CESEC me publie un rapport intitulé « Réduire les inégalités au sein de la société martiniquaise, une priorité pour le CESEC ». Au cours d'un débat citoyen organisé le 6 octobre 2023 à Fort-de-France, sur le thème « Les inégalités au sein de la société martiniquaise », une quarantaine de participants ont échangé sur les mesures qui permettraient de réduire les inégalités en Martinique et sur les niveaux auxquels il est possible d'agir, instances européennes, nationales, collectivités, acteurs sociaux ou au niveau des citoyens. Suite à cette réunion, le CESEM a rédigé un rapport dans lequel il dresse un constat alarmant des inégalités économiques entre la Martinique et l'Hexagone et au sein même du territoire martiniquais. Il souligne également le caractère auto-reproducteur de ces inégalités. 12 propositions concrètes sont présentées par le CESEM pour réduire ces inégalités. Elles sont articulées autour de 6 axes, des actions immédiates, observer, comprendre, évaluer, agir sur l'existant, apporter des solutions innovantes. Le CESEM appelle à une mobilisation de tous les acteurs martiniquais sur cet enjeu majeur. Il veut faire de la lutte contre les inégalités et la grande pauvreté une grande cause martiniquaise. Le rapport complet est disponible en ligne sur le site du CESEM. L'association Créogène a organisé une chasse numérique en créole à laquelle ont participé une dizaine d'enfants âgés de 7 à 11 ans à travers la commune de Ducos, un moment que les jeunes chasseurs ont particulièrement apprécié. On pourrait imaginer également l'organisation de ce genre de manifestation pour faciliter l'apprentissage de langues étrangères. Et en Nouvelle-Calédonie, 5 gendarmes ont été blessés dans des heurts lors de la visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et 5 personnes ont été interpellées. Les manifestants veulent le retrait du projet de loi constitutionnel visant à ouvrir le corps électoral pour les élections locales.
En effet, 20% des électeurs sont inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie sans être inscrits sur la liste électorale spéciale pour les élections provinciales. 25 000 personnes nées ou domiciliées dans l'archipel depuis 10 ans sont concernées. Partant à la retraite, les deux principaux dirigeants de l'Express des Îles, Roland Belmar et Bruno Mouison, ont vendu la compagnie à une société allemande qui veut amplifier son activité dans la Caraïbe. Selon cette dernière, pour l'instant, rien d'autre ne change que le directeur général. Rappelons que l'Express des Îles assure la liaison maritime entre la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique et Sainte-Lucie. La Chambre d'agriculture de la Martinique a édité un ouvrage de 28 pages intitulé « Agritourisme Martinique ». Il s'agit d'un guide qui invite les touristes à visiter une douzaine d'exploitations agricoles martiniquaises, comme le hameau du monde des Cadets à Fonds-Saint-Denis ou le Bouliki Bio à Saint-Joseph. La date de sortie de ce guide est très judicieuse puisqu'elle correspond à l'ouverture ce samedi 24 février du Salon de l'agriculture où il sera bien entendu largement diffusé. Cette 60e édition accueillera une dizaine d'exposants de la Martinique qui présenteront notamment leurs produits agro-transformés. Après... Et maintenant, c'est l'heure de votre avis compte. Vous répondez à cette question. Selon vous, la Martinique est-elle un pays propre? Nous vous écoutons. Selon vous, la Martinique est-elle propre? Pas très propre, non. Pourquoi? Ben, souvent, je vais sur les plages, c'est plein de couches de bébés, c'est des bouteilles. À Grand Macabo, il y a des bouteilles. C'est vraiment... j'y vais même avec des sacs poubelles pour ramasser parce que ça me fait de la peine. Il y a des carrelages, il y a de tout sur les plages, sur les bords des routes, pour aller avec des broussaillers. Il y a des bouteilles de bière, il y a... C'est plein de choses, ouais. Ouais. Désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Alors je répète, la Martinique pourrait être plus propre, d'accord, si les Martiniquais et Martiniquaises respectaient leur environnement. Et c'est pas le cas, on voit bien, tout le monde le dit, on le voit. Je circule dans le pays, je vois. Il n'y a pas de propreté proprement dite, c'est pas vrai. C'est encore sale. Je dis pas que c'est une porcherie, mais c'est sale. On voit les choses. Et là, je me dis qu'il y a encore... pourtant, il y a Dieu sait combien d'informations, combien de choses qu'on fait sur l'environnement. Mais bon, apparemment, ça ne rentre pas dans la tête de beaucoup de personnes. Je dis bien de beaucoup, je n'ai pas dit de tout le monde. Il y a des gens qui sont propres, et puis il y a des gens... Je vois des gens devant moi en voiture qui balancent leurs trucs de McDo, tout ça, par terre, des bouteilles en verre. C'est quoi ça? C'est, pour moi, c'est des, excusez-moi d'expression, mais c'est des malpropres. Et ils salissent le propre environnement. Oui, je pense, tout à fait. Pourquoi tu penses? Parce que, bon, selon notre éducation, une partie des gens gardent un peu cette coutume et puis nos grands-parents nous ont appris à nettoyer. C'est la chose, la base la plus importante, je pense. Selon vous, la Martinique est-elle propre? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis 20 à 30 ans. Cependant, moi je fais du footing, donc je marche sur les bords de route. Et lorsqu'on voit l'état des bords des routes, il y a encore beaucoup d'incivisme de la part des gens. Il y a du plastique, il y a des bouteilles en verre, il y a un peu de tout. Des matelas, même des moteurs de voiture, des batteries. Donc tout ça, ça va se déverser un jour ou l'autre dans les cours d'eau, dans la mer. D'autant plus que moi je fais aussi des sports nautiques et je peux vous dire que les fonds marins s'appauvrissent. Donc c'est aussi lié à l'activité humaine. Voilà. Pas du tout. Parce que la Martinique est sale, il y a des bouteilles qui traînent partout, mégots de cigarettes, des timbales. Les gens mangent dans leur voiture, balancent
voilà, partout. Et c'est vraiment dommage pour nous en Martinique. Soi-disant, Martinique, c'est un beau pays. Oui, je pense que c'est un pays qui est assez propre. Bon, après, c'est vrai que quand on fait un tour sur Paris, là, il y a des crottes de chiens, il y a plein de trucs qui traînent. Mais ici, c'est littéralement assez propre, hein, ça va. Sondage. Sondage. Un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché, la quadrature du cercle. Vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer que, contrairement à ce que j'ai pu dire hier dans ce savoir et réfléchir, Serge Letchimy n'est pas le président du Parti progressiste martiniquais, et bien entendu, vous avez raison, c'est Didier Laguerre. En fait, ce que j'avais en tête et qui ne s'est pas exprimé dans les mots, c'est que Serge Letchimy a été le premier à se battre pour occuper cette fonction. On était allé chercher Aimé Césaire, qui ne demandait rien à personne, et pour Didier Laguerre, ça a été comme un don, comme un passage de témoin. Serge Letchimy, lui, a dû se battre, notamment contre Claude Dise, à tel point que ce dernier s'en est allé et a créé son propre parti, le Rassemblement démocratique pour la Martinique. M. Letchimy fut donc un président, pas comme les autres. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est de pouvoir lire la doctrine du PPM sous l'action du président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. C'est ce sur quoi nous avons insisté hier. Et le hasard fait bien les choses, justement, aujourd'hui, voilà que André Le Sieur, le président de l'Espace Sud, d'ordinaire si absent de l'espace public, eh bien, voilà qu'André Le Sieur se manifeste pour dire ses réserves quant au projet de Serge Letchimy. Et André Le Sieur représente et a toujours incontestablement représenté la droite en Martinique. Et nous voilà donc revenus au débat, au sempiternel débat entre les départementalistes et les autonomistes. Et même, il semble avoir déjà commencé sur le terrain que va forcément emprunter la prochaine campagne électorale qui va se dérouler à l'issue du mandat actuel de Serge Letchimy. Nul doute que si ce dernier obtient satisfaction aujourd'hui, le débat politique demain sera de savoir quel niveau d'autonomie le peuple martiniquais va-t-il demander. André Le Sieur annonce déjà la couleur, quelque part, en faisant remarquer que, selon lui, nous disposons déjà d'une certaine autonomie dans certains secteurs grâce aux habilitations et que nous sommes incapables de l'assumer. En 1981, Aimé Césaire, c'est certain, aurait pu obtenir de son ami François Mitterrand, devenu président, sinon l'autonomie, mais une plus grande autonomie. François Mitterrand étant de surcroît socialiste est donc en principe favorable à l'émancipation des peuples. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait le leader fondamental à ce moment-là. Il a décrété le moratoire, c'est-à-dire que l'on ne change rien. On reste dans la départementalisation pure et dure. Le 10 janvier 2010, les Martiniquais qui ont répondu non à la question que leur posait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire s'ils voulaient un peu plus d'autonomie, eh bien ces Martiniquais-là ont respecté le mot d'ordre lancé par Serge Letchimy. Là aussi, on ne changeait rien. Et on ne changeait rien parce qu'on craignait de perdre les avantages dont nous jouissons actuellement. Et pourquoi éprouvait-on cette crainte? Eh bien, tout simplement, parce que l'histoire démontre que c'est une constante de l'État français. C'est celui qui paye qui dirige. A-t-il changé? Va-t-il avoir changé dans les 4 ou 5 ans qui viennent? C'est une grande inconnue. L'autre inconnue est importante, elle aussi.
Les politiques martiniquais sont-ils capables de mieux diriger le pays qu'il ne l'est actuellement? Certains prétendent que rien que poser la question participe d'une insupportable autoflagellation. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, pour terminer ce journal, la rubrique santé. Alerter la justice face à une situation de maltraitance est une responsabilité civile qui incombe notamment aux médecins et aux auxiliaires médicaux, tels que les infirmières ou les sages-femmes. Cette loi vise à rassurer les professionnels et à les protéger d'éventuelles poursuites de la part des personnes mises en cause. Selon un sondage mené par Harris en septembre 2014 pour l'association L'Action, est primordial. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Daniel Diaz, Psia Laouchévit, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Disponible en multidiffusion sur Canal Ancy, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et également sur notre site kmttelevision.fr. Passez une agréable soirée, à demain et que Dieu garde la Martinique.